Un nouveau jour s'est levé. Un continent s'est révélé. Pour nous, pour eux, pour lui, pour elle. L'heure est venue de dévoiler une nouvelle réalité. Vivons le jour, vivons la nuit, voyons le monde à l'infini. Rêvons d'avenir, de devenir, ce que l'on souhaite, où que l'on souhaite. Partageons nos passions, écrivons nos succès, exprimons tout ce que l'on est. Avançons sans limite, puisque le monde est là et qu'il nous ouvre les bras. Salam alaikum. Mangi Toudou Boudio, président de la zone 1 de Taïwan Diaye. Nous sommes ici pour nous parler pour partager avec les internautes et les communes, surtout la zone 1 de Taïwan Diaye. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit la saison 2024-2025. Nous avons commencé la période de Nawet, surtout au mois d'août. C'est très compliqué. Nous avons dit que nous avons constaté sur le terrain. Mais nous avons dit que nous avons dit possibilité pour que lol nonou indi ci ay safara meuna démarrer nawetani ci conditions favorables lol dal mo situation mo tan mo présenter wou mais xamna ay pexé du ñak waaw comme te docteur revenir non depuis très longtemps nak pose nañu question problème au terrain bi ndax dina praticable ak les autorités municipales comme te docteur bimu revenir rek japp na ni meuna démarrer. Mais li xawa compliqué mbir mi moy bimu tawé dañu gis terrain bi di ta lol nak dafa gëna indi ay jafé jafé ay jiñu jaax ci bop ñi nga xamanté dañu jirté zone bi pour que ndax dañu mën def démarrage bu effectif japp nañu dal bu tawé nam wara tawé so moytul duñu am possibilité pour organiser nawétal li ASA wax deug la surtout joueurs ak dirigeants yi comprendre nañu terrain bi même pour nga gëna fa jeu bu rafet dina jafé ndax té état terrain bi dafa défectueux bo xoyé dafa bari ay xéer premièrement mo am ay côté yom tani niveau n'est pas bien dafa am partie xout am partie djok donc d'ailleurs yoy sax ñoy indi ndox mi maintenant nak la zone mom li done prérogative donul défar sad mais chaque fois bu saison bu ubé la zone limu am ci ay moyens dina ko débloquer def limu wara def quant à terrain bi dañu gis ni buñ ko bëggé liggéey xeyna limu lacc budget ñun duñ ko atal waye li nga xamantene atal nañ ko genn nañu ay moyens def ko ci pour ñu mëna def un démarrage effectif maintenant nak autorité municipale ñoo dess pour que pelouse bob moy RDG bi ñu défarat ko pour que ñu mëna pratiquer du sport là-bas sinon bu tawé rek complication day am ci suñu déroulement match yi waaw situation bi pose nañ ko la mairie bon presque ay 15 jours 20 jours suma djumul peut-être que je regarde le message que je m'ai envoyé pour expliquer que l'état terrain est un peu défectueux. Quand je l'ai dit, ils ont ce qu'on a dit. En tout cas, ils l'ont aimé. Mais dans des conditions, il y a une possibilité, une faisabilité, mais ils l'ont fait. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Donc, nous aussi, nous avons question de nous faire football. Mais si on a fait, on a constaté que parce que l'année dernière, un match a un problème dans le temps. Mais Rendi, on a vu plus de temps. Terrain bi day gëna mandi ndox terrain bi day gëna sec ba pour muta day yomb donc li luñu bet la pour ñun do nañ mëna football sans muta mais ñepp japp nañ aussi terrain bi war nañ ko mëna défar mais pour ñun aussi buñu ci waxtaan ak mairie bi ak peut-être moyen am tane touti am nañ ko yaakar nañu solution dina dik mo taxone ñu japp ni mëna ñoo démarrer en attendant yenn réaction yam tane war na mëna am ci commune xam nga naytan souvent nim daan commencer ci zone Taïba Ndiaye moy dañ doon xaar souvent ba budget bi gën. Mais gis nañ ni lolu depuis quelques années 2 ans 3 ans peut-être dama na zone ñu am seen capacité financière buñu def politique financière buñu def ba dañ mëna démarrer te maire du joxagul budget le budget ba légui ni gënagul ta tay ji rek échanger na ci maire mën ma ñing koy activer bu baax te yaakar nañ dina gën lolu moy tax nak liggéey bañ ci bëgg duñ ko mëna def ndax te les moyens nekku fi te peut-être attunuñu yeen liggéey motax maire rek moñ ci mëna jappalé pour mu soutenir ñu mëna agal liggéey bobu non. Maintenant, avec la zone, il y a des efforts qui ont été faits pour l'herbicide, qui ont été faits pour certaines portes qui ont été faites. Ils ont été faits pour l'avance de la gendarmerie, direct dans l'avance de la gendarmerie, 5 matchs. Ils ont été faits pour l'avance de la gendarmerie, pour les poteaux de corner, pour les UBS. Parce que la zone, chaque année, pour le football, le matériel qui a été fait, il a été fait pour renouveler. Il a été fait pour la zone. Dépenses yoyep déjà mom def nako
une valeur bo xamanteni xamna jigé 200 000 bo xamanteni zone def nako depuis mu commencé wacc pour football yi mom la zone donc defawul dépense gissagul budget xayna maire bi ñi ngi ci point yoy pour indi un budget quand même non ça veut dire que da ci bokk bu baax ça veut dire ASC ba légui mën nañ li leen war xamaguñ ko ndax dañ ni association sportive et culturelle mais walu culture bobu non ñom dég nga football bi sax sport sax ben règle lañ ci jël muy football ASC war nañ def di def sensibilisation war nañ def désherbage war nañ def reboisement war nañ def ay causerie ci domaine yu béré war nañ def cours de renforcement et gis nga sax niko président donc dari bi waxé ay vacances citoyennes ay reboisement mais jusqu'à présent dañu gis ici aussi dans la zone de Taïba Ndiaye les ASC balé amuñu une culture ni ñom du affaire bi du football rong japp na né buñ doon yëngutu ci yenen domaine yi nit ñi sax dañ gëna sawar la mairie dina gëna sawar mais jusqu'à présent gis nañ ni ASC amuñu conscience bobu et maintenant avec dynamique bu bess bi ma gis peut-être citoyenneté esprit bobu ni dina dugg ci biir nit ñi bañu japp né lenn li ñoko wara mëna défa suñu bop sax bañ ci xaar kenn muy ñëw diñ ci fekk wala kuy ñëw da ngay fekk ñu nekk ci loolu mais côté bobu dal vraiment gis nañ ni au niveau du Sénégal sax am nañ ci un retard nak surtout donc communauté Taïba Ndiaye gis na ni jeunesse bi dañu am ben passivité ci lu nga xamanteni moy action citoyenne way au conseil municipal bañ nako bu ñu yëkëté cadre rek dañuy toñ sax ni yow mom ni yaay xéxal nawétan ndax loolu moñu war domaine bo xamanteni nekk nañ ci don ci njit am luñ ci xam suñu démé conseil municipal dañuy wax ni depuis l'année dernière budget bi ñu yokko ba légui nak ñom ñi ngi doon def ay étude pour ko wone amna deux zones de subvention ASC mom lool ci prérogative du conseil municipal bi c'est pas le maire qui décide c'est le conseil municipal mo nan dañuy dégager un budget nangami million jaglél ko jeunesse bi ñu ni li ci subvention aux ASC lay dem ñi ñu ni li ñu ci récompense et coupe lool nak lañuy dañalé xol nu mu tollu ñu jëm ko jibal ASC yi jibal ko donc les zones pour ñu mëna préparer seen activité donc lolu souvent nima ko doon waxe rek troisième question ma koy am ci sama comptabilité au niveau donc du conseil municipal dama japp ni lañ fay nek dikoy def te démocratie lañ nek d'après démocratie ñu upp fañu jëm yow da ngay am possibilité même so ci d'accordul lolu daf lay engager donc ci walu nawétan gis nañ ni budget bi quand même yokuna depuis bi maire bi ñëwé donc on passe de 4 millions à 5 millions et voire 6 millions donc lolu aussi c'est une opportunité bo xamanteni am nañ ko ci subvention ASC dafa am ben différence bon peut-être lolu dina metti ci zone yi mais ñun aussi système de transparence bobu non dañ ko soxla légui maire bi day wo ASC mu subventionner kenn ku nek maintenant les zones aussi mu jël ben somme bo xamanteni da koy jox zone yi pour leur fonctionnement lolu dañ ñuy permettre ñun répartition biñu dan defa suñu bop yeen ASC di joy té gis nañu ASC dañu sonu ci nawétam donc légui maire ou bien le conseil municipal fexé na ba système de transparence bobu non amna budget aussi même su féké dina yéx lolu aussi constat la ci budget bi ni mi gëné dafa yéx lolu gis nañ constat bobu non mais gis nañu augmentation budget aussi amna ak ASC yi responsabiliser len système de transparence aussi gis nañ ni implanter nañ ko ci depuis buñu nekké ci conseil municipal ba légui bien sûr pour ñu néna la depuis ñun biñu ñëwé ba légui suñu mandat biñu nekk ni la zone am nañu une politique financière bu ñu permettre chaque année même su fekk budget gennul d'ailleurs suba lañ wara commencer te budget gennagul te pourtant dañu fexé ba démarrer suñu mars l'année dernière même système bobu lañ defon commencer xayna amna ñom tan duñ ko attend parce que amna ñom tan mënu ñoo démarrer te subvention gennul mais ñun vraiment yalla dimbal nañu ba bu fekké xana mu doon côté ASC mais ñun niñu organiser suñu mars bu ñu déficitaire rek li nga xamantene fay nañ ko mën nañ ko fay lepp dañ koy def liggéey ñu wara def yépp dañ koy def ci xaaliss bi nga xamantene mom lañ déssal parce que suñu caisse depuis biñu nekké fi wala musul vide musuñu def bilan financier ni dara amu fi chaque année bilan financier bi au moins dañ déssé une somme bo xamantene dañ permettre ñu def suñu démarrage waaw matwa yoy nonu ren ji gën nañ ci taxaw légui rek lay wo yenn dirigeant ASC ni système de sensibilisation bi ngeen taxaw ci ndax lolu dafa am solo système de sensibilisation wax ak supporter yi wax ak donc les dirigeants pour que ciow baña am terrain man japp na ni football c'est pour des liens d'amitié et de compréhension buñ ko don def jam ak salam déjà envoyé na ben texte bo xamanteni toutes les autorités ak tous les responsables né ci tund bi pour que inviter nañ len ci journée d'ouverture bu démé mais liñu woté fo moy la non violence la citoyenneté inclusive et participative ci walu sécurité tay ji ni dem nañ ci gendarmerie légui dafa am ben système bu bé sax buñu appliquer moy di fay à l'avance et la gendarmerie nous a confirmé que ni présence dina am ci match yépp
actuellement fay nañu 5 matchs à l'avance et bu bémé bay bëgg jeex dañuy fayat à l'avance dañuy fayat à l'avance donc pour l'instant je peux vous dire que ak liñ wax gendarmerie ba fay ba paré moy gendarmerie taxawna pour sécuriser donc tous les matchs de la zone une de Taïba Ndiaye waaw ça dit que ñun au moins dañu am un système d'anticipation ça dit ñun dañuy anticiper ci bari danaka légui pomi mo démé non mën na la wax né demb rek lañ jot ben circulaire bom tane onkav dafa gracier toutes les ASC donc du Sénégal ASC Sénégal yi bal nañ len légui moy kuñu sanctionner 10 ans 20 ans ba 15 ans bal nañ la len lañ mënta balé moy amende bi motax buma constater que yenn ASC yi am nañ problème dirigeant yi tourné woma téléphone nima ah dañu ne situation buñu sañon nga dimbuliñ mëno don kilifa njabot ay nit ba paré ñu am ay gal nako tok une année wala 2 ans footballuñ ñu la ah bëgg nañu changer gis nañ ni bu ñu waaton ci pomme dootu ñu defat loolu lila war yow kilifa gi moy nga rappel len à l'ordre ba paré dox ci lok loolu indi wat di xal len nak avertir len moytu len nak li dalal len parce que nak avertissement ben yon lañ koy def buñ la permettre ba nga dugga ci pomme dañ lay xol nak et je pense ki amna ASC yom tane ka lañ ci ren ji nañu sétane ba xam deñu ñëwaat def nañ défé won wala sanction bi dina am lén lum def ci sen bop bop dootuñu défati ben jombé ci biir terrain bi yakarna dal en tant que kilifa danaka rassembler moy suñu mission première ginnaw buñu waxé deug ASC ba paré lolu bu sobe yalla dañ ci taxaw parce que li doon suñu problème parfois moy gendarmerie dal won tew ci léyi mais ren ji bu gendarmerie taxawé ñëw di superviser mat diko sécuriser ñom dañuy xol sét dañ am nañ dañuy am un regard ci supporters yi wala kuy def lo xam tane nak su non et en général ñom dañuy am nañ possibilité photographier parce que ñun ko photographier mu dal sa kaw mais gendarmerie amna droit dik di photographier amna droit aussi de laaj la zone ki kan la ki kan la ki kan la et bu boba lepp lo xam tane yon wax nako ci ko xam tane dafa ñew ci terrain di def violence ñun bu boba dañuy wax do japp and ak yon mu def ci li ci war taxaw nañ pour la collaboration avec donc la gendarmerie mais taxaw nañ pour la collaboration avec les ASC pour les activités de sensibilisation de la non violence ci ané bi inshallah rabbi way ñaari comme docteur japp na ni duñ am benn difficulté ndax toujours les deux présidents dañ communiquer d'ailleurs man ren ji man may le président de l'interzone c'est à dire que deux zones yépp ren ji buñu football coupe maire wala coupe bu manti don man mi man may don jitlu d'ailleurs ma ngi don ak Ablaye di président que je salue mon président de la zone 2 pour que ñu woté réunion vendredi les responsables donc des deux zones des deux comités directeurs ñu dajé waxtaan ci li nga xamanteni moy ay coupe waxtaan ci li nga xamanteni moy coupe maire waye waxtaan ci li nga xamanteni mom lañ mëna def sa bu kenn soxla moromam ci domaine yu mënti don ñeneen ñi def mobilisation andando ñeu jappalé ko yakarna ni actuellement dal on a un consensus mutuel entre donc les deux zones jamm amna ci peut-être ñeneen ñu comprendre ñu won mais les relations vraiment sont exceptionnelles actuellement juste rek tay ji ni toutes les autorités moy autorité municipale maire dama ko xawa djegal mais ñi top ci ginnaw moy le premier adjoint au maire le deuxième adjoint au maire le président donc de la passation donc des marchés kenn ku nek bindu na la message invité la invité nañu ku melni maître Abdou Nar Ndiaye sadik tout Ousseynou Ndiaye invité nañu les acteurs de santé invité nañu Matar Mamour invité nañu donc je peux dire que même le DG Elage Ndiaye invité nañ ko kep ku don kilifa rek ci nek ci gox bi don responsabilité politique don président d'ASC don supporter don un acteur de la santé don journaliste donc bayiwuñu kenn ñepp invité nañ ci journée d'ouverture bi di len wax ni aussi kenn ku nek lo meuna jappalé ci les deux zones je ne parle pas de la zone 1 rek ñaari zone yépp ndax té la jeunesse ñoo soxla té ku bëgg développement fokk nga jappalé donc la jeunesse donc ñu bëri répondre nañ ma par message vraiment magnifier nañ donc directeur gëm sa bop invité nako bokku na ci ñi nga am tane envoyé nako message ba mu répondre ma ni ma OK inshallah donc tout le monde est invité ñoñ nak comme peut-être sen manque de temps day am li ñu def ak ñom rek et pour l'instant ñett lañu wax donc toben po parce que souvent ñi ngi waxtaan ak Seynabou mo nga xam tane moy walu environnement dañ ci waxtaan parce que amna benen projet bo am tane peut-être maire mi ngi koy def ak mom mairie mais projet bo bokku na ci li ñu gëna ñor boudé le parc éolien on a envoyé donc une demande c'est-à-dire que demande d'aide de subvention ou bien demande d'appui ba dem rencontrer donc le docteur Sow jox ko donc la demande boudé GCO on l'a fait les CS dañu nek ak Fally di am luñuy waxtan ci walu ben coupe buñu wara teug donc momit aussi la MEC CRT
dem nañ fa tay ji donc ñoo ñep même su fekkante invité na ci journée d'ouverture bi kenn ku nekk dem nañu wax na leen ñi ngi commencé naytan jox nañ la une demande d'appui pour nga jappalé ñu bañu faté ci suñu activité yu ñëpp loñu mëna dimbulé le comité directeur metina lool nak nekkine bi parfois day tang ndax tay ji rek peut-être question bobu nonu moy biñu xolé état terrain bi mu doon état bu difficile peut-être demain on va démarrer mais quand on a saisi donc le maire man rencontre nak aujourd'hui pour que mu am lo xamantene mu def ko ci RDG bi. Il a envoyé un entrepreneur là-bas ma bolé ko quelques membres donc de la zone ñu dem xol état terrain bi wax nañ ko niñ ko bëggé entrepreneur bi né dina rendre compte donc le maire pour xol ndax liggéey bi dañ ko mëna commencer fi aki fan donc bu liggéey bi commencé peut-être dañ xaar aussi arrêter suñu mouvement nawetan ba liggéey bi paré lool liñ ko may aussi moy comme directeur bo am tane vraiment bëgg nañ lu bax jambaré nañu ndax té ñom lool bokk na li leen gëna ñor moy terrain bi ñu défarat ko ni mu ñoré ASC non la ñoré AE comité non la ñoré donc le président de la zone ak même ñeneen ñoom tane ay partenaire lañu yow mi xam nga ci dara ci ni leen lu défar lu rafet défar lu bax le ministre la municipal def ko ni mu leen ñoré non la ñoré ñu bari bari donc comité directeur mënu ñu lu leen di remercier ci collaboration bi mais nak parfois du ñak ay incompréhension mais mbolo fu ñu dajé non la war démé mais gis nañu jambar lañu même si il y a certaines difficultés yom tane dañ koy rencontrer ci question management ci question une compétence ñep mu ñu am compétence même yow mu doon président sa la nga am ay fay non la fay démé dina metti nak mais chaque fois buñu dalé dañ fexé ba surmonter donc les obstacles pour que tégat mbir yépp ci yone actuellement je pense que fiñu nekkul fiñu tologul ku amul esprit de management mëno démarrer say match sans subvention donc des ASC ci communauté Taïba Ndiaye lolu yombu fi mais ñun vraiment on est pour le démarrage effectif et ren ji non lañ koy fédélé tay ji rek bima démé ci Cheikh Ndiaye Maxerté je lui expliquer cela né ko daw jeu biñu joxone dañ ko def jeu fair play et daw amna ASC bam tane gagné na un jeu de main et gis na ni def na ci ñom lu béré 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 donc ren ji dina japp na ni dina am ASC am tane comportement bam non dañ ko développer pour que euleuk nga am un jeu de main ou bien une enveloppe financière et je pense bien que lool nonu commencé nañ ko depuis daw té dañ koy jëmë renouveler avec les ASC donc presse locale je pense bien que ñuñu wara jappalé du tay lañ ko wax mais cette question là boko lajé donc le conseil municipal a été posé biñu def suñu DOB bi débat d'orientation budgétaire ñu ni la presse locale bo nañu def signé ak ñom ay convention au niveau de la mairie ou bien ñu leen defal ben subvention chaque année parce que yeen vraiment da ngeen bok ñi nga xamantene yeen ñu permettre ñu divulguer les informations même le conseil municipal limi liggé yeen ngui koy wassaré donc man luma gis moy une convention avec donc la mairie ou bien donc une subvention pour leen defal chaque année ñu koy dégager voter ko au niveau donc de la mairie di ngeen koy tirélé ndax tay gis na ni kenn fayu leen té dañu bëgg nak ngeen dépasser fi ngeen toll ba bu ëllëgé au niveau national ñun ñi wax au niveau national ñu gën ñu mëna gis xayna porté bi yaatu na mais amna fu ngeen doon tollu yeen suñu porté dina gëna yaatu ndax boba di ngeen ñu yombal lepp message buñ bëgg jappalé buñ bëgg divulguer dañ ko divulguer en tout cas ñuy lancer un appel solennel encore au conseil municipal bo xam tane j'en fais partie ñu gestu comment dire cette presse locale là il faut ngeen de nak encore bind comme niñ ko waxé won daw j'espère que amul aboutirul mais il faut ngeen renouveler wat ko pour que ñu mën leen jappalé parce que yeen vraiment vous êtes incontournable toute la presse nak locale je ne veux pas citer de Diom mais yow xam nga ñun xam nañ et je pense bien que maire war na leen gëna delu comment dire gestu pour que li ngeen bëgg ci commune bi yalla motaliko ndax yeen seen avancement suñu ndariñ non yow mo xamna da nga xawa teure di quoi en général question yépp ngay gënne mën na ni la gisuma boma laaj et donc japp na ni muy liñ ma wara laaj lepp laaj nako parce que amatuñu benn difficulté ñun difficulté liñ am moy nañ fexé ba football question ba posé nga ko liñ dess moy yeen mesure lañ wara jël ba football jël nañ ko aussi et je pense violence bi wax nga ci les acteurs politiques ñi né ci commune bi ñom aussi ñi ngi leni ñaan encore une demande ku ci mëna japp nga japp ci et je pense bien que amna un acteur bo xamanteni wonama bañu laaj mo les 19 ASC et je pense koku dina japp ci walu laajo na ma sax lan nga bëgg ci ASC lan lañ bëgg ñu jox leen ko ak zone sax dañ jappalé zone yi jappalé donc ASC ci walu subvention ci walu naytan donc lolu aussi ñu wax ni koku nim ko fassiyene défé parce que dañ ko wax ba lañu nombre d'ASC yene acteur fi nek suñu dara amna lo xamanteni warlo nañ koku donc la jeunesse et cette jeunesse là a besoin donc des acteurs de développement interne ñu ne ci commune bi développement nak kenn mënu ko wax do ci bolé sport do ci bolé tagat yaram ndax jeunesse bi japp na ni moment bi li tax ñu gëna am plus de sérénité
plus de calme moy pom yi nga xamanteni mom lañ leen jaglél ndo bu amul won yakarna vacances yi ciow yi mën na bari lune mën na fem mais actuellement ñom lélañ soxla moy ay infrastructure la lañ soxla ay moyens pour dem tagati yaram bu ngone ñu tok débattre waxtan et je pense que tagati yaram budul sax non violence bomuy instaurer budul jamm joju muy instaurer yakarna amna lu muy def ci wergu wergu yaram et une jeunesse saine normalement moy indi un développement durable. Merci encore donc Borom Lepay Bakh kenn du yow. Merci beaucoup. Un nouveau jour s'est levé, un continent s'est révélé pour nous, pour eux, pour lui, pour elle. L'heure est venue de dévoiler une nouvelle réalité. Vivons le jour, vivons la nuit, voyons le monde à l'infini. Rêvons d'avenir, de devenir, ce que l'on souhaite, où que l'on souhaite. Partageons nos passions, écrivons nos succès, exprimons tout ce que l'on est. Avançons sans limite, puisque le monde est là et qu'il nous ouvre les bras.